Essonen. Olofsson. C'était pour Pessonen, et c'est l'ouverture du score. Cette fois-ci, il n'y aura pas de discussion. Harry Pessonen qui a pu dévier cette passe de Jesper Olofsson. Et c'était très bien construit par les Emmentalois. Et c'est déjà le cinquième but de la saison pour le Finlandais. On va voir un Pessonen qui serre Olofsson, les deux hommes qui croisent, Olofsson qui s'arrête, qui attire à lui les joueurs de Fribourg. Et Pessonen, lui, qui continue son effort. Raphaël Diaz, là, qui était un petit peu passif sur le repli. Pardon, c'est Julien Sprunger qui était un peu passif sur le repli. Et qui peut, qui voit ainsi Pessonen. Sprunger, Di Domenico et récupération. Schmutz, le puck qui est dévié par Schmidt sur Sprunger. Le rebond. Ah, c'est à côté. Cette fois-ci, la tentative de Schmidt. Valzer. Et le puck est toujours jouable, Di Domenico. Et où est ce puck? Pour l'instant, il est toujours jouable. Bien devant Maier, récupération de Olofsson. Sprunger et but! Le puck qui est allé au fond! Et c'était la confusion là devant Robert Maier et à savoir si un Fribourgeois est éventuellement coupable d'une obstruction sur le gardien Emmentalois. Il va falloir revoir tout ça au ralenti, mais il ne me semble pas que un Fribourgeois avait poussé un défenseur sur Robert Maier. Pour l'instant, on nous montre Samuel Valzer qui serait l'auteur de cette réussite. On va attendre d'une part les ralentis et d'autre part la décision des entraîneurs Emmentalois. On voit déjà la tentative de Di Domenico, pour l'instant pas d'obstruction sur Maier. La tentative de Valzer, le puck qui est toujours jouable, Di Domenico qui insiste. Le puck qui ressort sur Valzer une nouvelle fois, toujours jouable. Et là, Maier n'est plus en état de faire l'arrêt. Maillard qui est plutôt gêné par Schmutz et aucune obstruction fribourgeoise. On va arriver sur la palette de Dave Souter, Mauro Jürg, Valzer qui va essayer de lancer Marchand. Le puck qui parvient à l'ailier fribourgeois et c'est le 2-1 pour Fribourg-Gottero sur ce superbe numéro de Nathan Marchand qui marque son 30e but en National League avec cette réussite. Et il est allé la célébrer dignement en face au COP fribourgeois. Et c'est le troisième de l'exercice. Et Grenier qui dévie juste cette passe, mais ça met encore mieux en position Nathan Marchand. Et superbe feinte là devant Robert Maier. Service Samuel Valzer pour ce deuxième but fribourgeois. Face à Connor Hughes. Marchand. Huguenin qui récupère mais qui met directement dans les patins de Jörg. Jörg face à Maier pour le 3-1. Et Fribourg qui prend le large grâce à Mauro Jörg sur cette grosse erreur défensive des Emmentalois. Et deuxième but de la saison pour Mauro Jörg. Il va pouvoir dire merci au défenseur Emmentalois, en l'occurrence Tony Huguenin, qui lui met ce puck directement sur le patin. Et le tir croisé hors de portée de Robert Maier.